Bonjour à tous, si vous regardez cette vidéo sur Twitch ou sur YouTube, c'était le Kino. Il s'agit de l'épisode numéro 2 du DLC de Might and Magic 10, ou l'épisode numéro 20 de Might and Magic 10, et à vous de voir ce que vous préférez. Alors, la dernière fois, donc on s'est retrouvés enfermés comme des couillons dans la prison de Karthal, parce que le Duc Oswin nous y a envoyé en fait. Le Duc Oswin apparemment trouve qu'on est des gêneurs et donc nous a accusé d'avoir pillé le royaume, assassiné les gens, dénaturé des ruines du patrimoine. Enfin bref, voilà, on est des gros méchants. On a réussi à s'échapper de la prison, on a réussi à retrouver nos affaires, parce que ouais, à la base on était à poil, c'était pas facile. Et là maintenant on est en route vers le palais du duc, justement pour en discuter un petit peu avec lui, parce que faut pas abuser quand même. C'est abusé ce qu'il nous fait. Donc voilà, la conspiration d'Alicorne rejoint la salle du trône. Après une campagne de longue haleine pour jeter le discrédit sur l'impératrice Gwendoline, le duc Oswin de l'Alicorne s'apprête désormais à demander sa main dans le but de sauver l'Empire. Il apparaît désormais clairement que c'était Oswin qui tirait les ficelles de Montbard et de ses brigands. Il n'y a plus que nos aventuriers pour l'empêcher de coiffer la couronne impériale. Voilà, donc c'est un imposteur, hein, il faut pas qu'il le fasse. Alors, juste avant, on était, on a eu un donjon ici, avec un petit puzzle qu'on a résolu par essai-erreur. Et on a réussi à choper, je sais même plus quoi. C'était pas un artefact, je sais plus ce que c'était, enfin bref. Donc voilà, on est reparti, on a nos 20 rations, on est équipé comme il faut, hop, allez, on va voir ce que donne la suite, normalement, si j'ai bien compris, ça devrait pas être loin de la fin, vu l'histoire. Ok, on va nettoyer le plus possible. This one is mine. Bonjour messieurs, comment allez-vous? Ah. Alors là, la question c'est est-ce que j'avance ou est-ce que je soigne ou est-ce que je soigne King Kill Allez, je prends le risque d'avancer. Ok, ça va, il est pas mort. Ça va, ça va. Voilà, nickel. Hop, on va me soigner maintenant. Taper et taper. Putain, il lui envole, hein. C'est fou. Hein. Ok, hop. Je vais même pas dépenser ma mana pour deux herbes à l'étrier jaune. Par contre, on va mettre la peau de pierre. Hop. T'as trop peur des voix du jeu. Ah ouais, quand on est pas prévenu, hein. Quand on est pas prévenu sur le coup, ça fait bizarre, effectivement. Et attends, ça va, j'ai pas encore fait de grosses voix. Stay down. Orbe d'acronique, ok. Je doute que ce soit un artefact, ça aurait été marqué ça. Donc on va pas forcément... puisque de toute façon... De toute façon, il a... Ah, quoi que si, ça pourrait être mieux que ça, en fait. On va l'identifier maintenant, alors, du coup. Hop. Réduit de l'eau. 20 points de main... Alors, attendez, non, non, non. Maximum de santé. Non, en fait, c'est nul. C'est nul pour lui. Kinkil, il est pas... Spéo, donc ça serait bien pour Pomme, mais on l'a pas spé bâton. J'étais pas prêt du tout, j'ai cru qu'il y avait quelqu'un près de moi. Oh, je suis désolé. Oh, il y a du monde. On va reculer. On va reculer. Est-ce que... Je sais pas s'il y a des archers derrière. S'il n'y a que des guerriers, on peut rester ici et les blaster pendant ce temps-là. Je pense que c'est peut-être une bonne idée. On va faire ça. Yes, tac. I feel strong. Tac. Et on va...
lancer. La destinée. Tac. 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 Et non, on va attendre un petit peu. Je vais lancer. Feu intérieur. Voilà. Allez, venez, 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 venez. Ouais, nickel. Nickel. Un petit nuage qui pue. Une popo. Voilà. Maintenant qu'ils arrivent, on peut commencer à leur tataner la tronche. Oh, c'est raté, c'est ballot. Tac. Et puis. Tac. Ok, parfait. Donc là, du coup, des buffs armure. La peau de pierre est toujours là. On va mettre ça. Tac. Mais non, t'as pas mal, mais non, mais non. And stay down. Voilà. Ah si, il y a des arbalétriers derrière, dites donc. Ce qui est pas top. Ce qui est pas top. C'est pas grave. Allez. Bonjour messieurs, comment allez-vous? Bien, bien. On va pas gâcher plus de mana. Quand même mettre la paupière. Je trouve que c'est rentable. Allez. Ils sont bloqués à fond. Hein. Voilà. Parfait. Genre. C'est à cause de cela là? Ah non, il y a un cavalier qui arrive. Bonjour. Yes, I feel strong. Qu'est-ce qu'il a lui? Martyr à la. Ah oui, ok, d'accord. Nickel. J'ai mis la flûte de mana par erreur, mais bon, c'est pas grave. Hein. Tac, tac. J'ai pas envie de dépenser de mana pour celui-là. Il est. Je sais pas si c'est peut-être un élite en fait. On verra bien. Petit nuage qui pue. Tac. Alors non, c'est pas un élite. On est bien. Ok, il fait mal quand même. Il va falloir maintenir les sorts, petit debuff armure. Voilà. Putain, le nombre de buffs et de debuffs qu'il a. Ah, apparemment, ça lui a, il a lancé un sort apparemment. Ouais. La flûte de mana en fait, ça fait des dégâts à la cible quand elle lance un sort et puis la flûte de mana disparaît à ce moment-là. Ok. Donc c'est pas mal pour les casters, mais là je voulais pas. On n'a pas la clé qui ouvre le coffre. Sérieusement, tu abuses le jeu. Je trouve ça abusé. C'est abusif. C'est abusant. Ok. Alors, on a plein de monde là. On n'est pas forcément full mana. Je me demande si on se reposerait pas en fait. J'ai pas envie de gâcher, mais je pense que ça vaut le coup. Parce que ça vaut carrément le coup. Mais de toute façon, ils vont aller. Je pense qu'ils étaient pas loin de dormir. Y a un truc qu'on a pas fait là, du coup. Est-ce qu'il y aurait pas la clé là-bas? It's the perfect day to begin a journey. Oh, such a perfect day. Ah non. Bon. On s'est déplacé pour rien. Mais c'est pas grave. D'ailleurs, la map. Non, on a tout découvert. Ok, allez. On va lancer la pot de pierre. I feel stronger. Destinée. Voilà.
feu intérieur. Et on avance. Il y a du monde. Il y a du monde. Oh, les enfoirés! Ah, ça, c'est pas juste. Ça, c'est pas juste. Ils ont fermé derrière nous. Ça, c'est franchement pas juste. Du coup, on peut se prendre des mecs devant, à gauche et à droite. Donc, on va se mettre dans le coin, si on peut. Allez, allez. Il n'y a pas d'arbalétrier, j'ai l'impression. Donc ça va le faire. Ok. Ah les enflures. D'accord. Donc, allez, tac. Voilà, maintenant. Ok, par contre, il y a le fucking inquisiteur là. Ok, donc on va débuff armure. On va mettre la peau de pierre. Et on tape. Je sais. Ok. Il nous reste deux tours de ça. Un nuage. Décalin pour le soutien. Merci, merci douceur. Ouais, c'est un fight qui va pas forcément être le plus facile, mais bon, on fait mal, donc ça devrait aller. Aïe. On va utiliser la mana, hein. De toute façon je pense qu'on est pas loin. Il y a beaucoup de monde, hein. Je sais pas si vous voyez là sur la map, mais ils sont vénères, hein. Ah. Tac. Coucou Twista, bienvenue. Comment ça va? Putain, j'ai plus de... On a perdu la destinée en fait, ok. Ça va bien Twista? Ouais, on a besoin de peluche là, on a besoin de peluche skill, de skill. Chevalier solaire, inquisiteur, ok. Qu'est-ce qu'il faut relancer? Tiens, on va mettre le nuage qui pue ici. Et puis voilà. Qu'est-ce qu'ils ont fait là? Tombé dans un sommeil magique. Sommeil magique. Allez, je pense qu'on a un tour. On va... Oh oh. Eh ben... tu vas bien? Bah cool. J'ai un petit rhume, ma fille est malade, ma fille tousse, je commence à avoir un petit peu la gorge qui chatouille et à éternuer. Donc ça ne présage que du bon. Popo est tapé. Et le, putain, salut. Oh là là, mais mange-toi ça, Kinkil. Aïe. Ok, j'ai encore un tour, je pense. Pour réveiller... réveiller Koema. Est-ce qu'on veut réveiller Koema? Ouais, on veut réveiller Koema. Merci. Merci tout ça. Ok. Tac. Voilà. Alors la question c'est... Donc si lui il crève, l'inquisiteur là, tout comme le chevalier solaire, ils ont martyr. Ce qui fait que quand ils crèvent, ils vont buffer les cibles autour en fait. Donc il faut essayer de... qui crève en dernier, mais là on n'aura pas le choix, de toute façon il y en a plusieurs qu'on martyre, donc bref. Oh putain, il y en a un qui soigne. Il y a Fugazi qui a ding aussi, j'ai pas vu. On remet le soin. Ah attendez, qui c'est qui soigne? C'est les fucking inquisiteurs qui soignent, donc en théorie il faudrait... Il est stun lui, tiens. En théorie, il faudrait aussi buter les inquisiteurs en prio, quoi. C'est le bordel. C'est compliqué, là. Bon, je pense qu'on va s'en sortir, mais ça va être compliqué. Puis il y a un ange qui arrive derrière, quoi. Il y a les arbalétriers, là. Ok.
Ce serait peut-être plus logique là. Quoique, je sais pas. Il y a les mobs ici là qui vont arriver ici, je pense, au milieu. Pop, 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 pop. Allez. On va suivre la logique. Oh là là. Oh là 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 là. Fugazi qui dort. Bon, mais faut relancer la peau de pierre, j'ai pas le choix. On va débuffer Armure de ce côté-là. Et on va continuer à taper lui là. Bon, c'est compliqué. Hein. C'est serré, un bon lieu pour faire une fiesta. merde! Merde! Dissipe débilité, dissipe poison, dissipe faiblesse. J'ai pas un parchemin de conscience. Ok, et eh ben. C'est simple, on va. C'est dommage parce que ça va virer tout ça, les buffs là. Mais là, je pense qu'il n'y a pas trop le choix, on est obligé de dissiper la magie. Par contre. C'est pas chouette. Ils font chier. Hein. Ils font grave chier là. Je vais intercepter tout ce qui arrive sur Pomme. Aïe aïe aïe. Ok. All night long. Ok, ouais. All night long. Ok. Coucou Aaron, attention les cocos, Aaron a bouffé du lion ce matin, cet après ce midi, et là, au moment où je vous parle, le cuistot en ce moment s'appelle DJ Kenichi. Oh, je connais Kenichi, Aaron, j'ai écouté ça quand j'étais jeune. J'aimais bien Kenichi, c'était cool. Bon, c'est un peu... C'est... Ouais. Vous voulez la recette et le plat ou pas? Mais vas-y, vas-y, vas-y. Et balance la recette du lion. En tout cas, il faut bien le dire tout de même que... pour ceux qui ne connaissent pas Aaron joue de la basse et mange du thon en même temps. Ce qui fait que Aaron, eh ben, il fait de la... BASTON. Voilà. J'étais obligé, comme d'habitude. J'espère que donc ça va bien, du coup, Aaron, c'est cool. Bienvenue à toi. On est sur Metal Magic 10 et on est dans le caca. Mais bon, on va faire de notre mieux pour sortir du caca, justement. Alors je me demande si un sort de ténèbres, ce serait peut-être pas plus mal. Yes, ça leur fait plus mal en fait. C'est cool. Oh, genre ils se font heal au dernier moment, quoi. C'est abusé. Ok. Ok, il est mort, nickel. Bon, il nous reste un prétorien ici. On va se taper le prétorien en payo. T'as bien fait diminuer le volume, oui, t'as bien fait douceur. Ah merde, mais sérieusement, ils font chier à les faire dormir. C'est super lourd. C'est marrant, ça sent le gaz. Je pense que c'est dans ma tête. Hein. On va dire. Tac. Donc du coup, je me fais celui-là. Non, les inquisiteurs, ils font trop chier. Putain de merde, sérieusement. Vous êtes lourdingues, les gars. Il a plus de popo de mana le père. Il a plus de mana. Père Kohima. Ok, nickel. Mana.
Un peu de pierre. Taper. Il me fait dormir qui là? Koima. Ok, ça va attendre parce qu'il faut que je relance les. Ah non, on est bon en fait. Pas besoin. Conscience. Okay. Ça. Ok. Fuck. Vous faites vraiment chier les mobs là. Vous faites vraiment chier. Si je loupe en plus. Oh là là, mais sérieusement. C'est compliqué, hein. Il se soigne en plus. Un grand merci à Koima pour la discussion. Voici hier. Vous faites du en passage Koima et rappelle comment écraser une personne juste avant les bonnes mauvaises paroles. Lol. Le nuage qui pue, bah ouais, mais le problème c'est que là je suis occupé à... Et en fait, ils se font endormir. Les inquisiteurs, ils ont un sort de sommeil et ils endorment les méga en fait. Du coup, je suis obligé de lancer conscience qui permet de réveiller. Tu vois, Fugazi là-dedans. Ou alors dissiper la magie. Mais dissiper la magie, ça vient aussi les buffs que j'ai. Donc, avec Pomme, là, c'est compliqué de mettre le nuage qui pue en fait. Ce qui est pas la priorité du coup. La priorité, ça reste le soin et le. La peau de pierre qui permet d'encaisser et de rester en vie. Si je mets le nuage qui pue... Ok, alors là la question c'est est-ce que je lui bouffe une popo de mana, est-ce que je réveille Fugazi ou est-ce que je lance la peau de pierre quoi. Parce qu'elle a plus beaucoup de mana. Ok, je vais lancer ça. Ça. Oh merde. Waouh. Ok. Ça fait mal. Donc alors, là, je suis obligé de faire ça. C'est pas sur ma magie. Elle est obligée de relancer ça. Ah, ça va être compliqué. Hein. Yes. Ok. Par contre, voilà. Ok, nickel. Par contre, voilà, il a buffé pendant deux tours deux dégâts au tour qui ont 75% de dégâts en plus. Donc c'est pas facile. Mais ouais, il faut que je bute les inquisiteurs. C'est les plus chiants en fait. C'est les plus chiants. Voilà. Oh, ça va piquer. Non, ça a piqué. J'ai l'impression qu'il a lancé sommeil sur Fugazi encore. Ok, donc là on peut réveiller Fugazi. Tac, on va l'attamer comme ça. Ok, je vais voir ce qu'on a comme parchemin, parce que là je pense que c'est un combat où il faut pas hésiter à utiliser les parchemins. Protection de la lumière, ben, par exemple. Alors qu'est-ce qui va le lancer? Ça va être Koima qui va lancer ça. Voilà. Nickel. Alors on a besoin de quoi ici? Tout va bien, il faut que je relance le soin. Hop. Tac. Il m'adore, c'est pas grave. Hop. Écoute, j'ai rien d'autre à relancer. Merci pour les liens, Aaron. Je pourrais. Ouais, je pense que je vais mettre un nuage qui pue ici. Vu qu'on va pas s'attaquer à cela pour l'instant. Hop. Oh, Fugazi qui prend sa race. Tac. Oh genre. Ok. Ok, on va laisser Koima qui dodo, c'est très bien. Yes, finis-le, merci. Ok, maintenant le dada ici, il est boosté. Eux, ils le sont plus.
Donc on va est-ce qu'il y a besoin d'en lancer quelque chose? On va lancer le heal. On va t'attaquer ici. Voilà. On n'a plus l'inquisiteur là, donc c'est tant mieux. Il reste le l'ange là qui va faire chier, mais il est dans le coin donc il peut rien faire. Du coup j'invoque le câlin général pour que tout le monde sème dans la joie et la bonne humeur. Cool. Ok. Taper. 2, 1. Hop. Okay. Yes, on va tuer quelques-uns. Toujours, c'est toujours ça. Ok, on va réveiller Kojima. Putain, sérieusement, ils auraient pu les finir quand même. Ok, on va avoir un problème avec l'ange qui va arriver là. Lancer la bonne pierre. Là ils sont tous morts. On va s'attaquer à celui-là. C'est l'ange qui soigne? Je sais même pas. Séraphine. Séraphim ou Séraphin? Séraphin. Ok. Trêve. Alors, ça. Ensuite. Est-ce que je finis celui-là? Je vais finir celui-là en fait. Okay. Là, il va falloir qu'il prenne une popopomme. Ah, une popopomme! Ouf. Ouf. Parce que déjà qu'ils font mal les. Les cavaliers, mais alors là. Qu'est-ce qu'il fait? Je sais pas ce qu'il fait. Ok, on lance le soin. On tape. Voilà. Câlin, douceur. Je vis encore dans le monde des petits poneys à business, mais c'est très bien. Y a rien de mal à ça. Ok. Yes. Voilà. Ok, maintenant on va s'attaquer au Séraphin. Qu'est-ce qu'il va. Il a aussi martyr. Non, il a pas martyr. Ok. On a toujours la peau de pierre, on a l'aile de soin. On va. C'est bon. Quoique, en fait, c'est peut-être pas plus mal d'utiliser le. Oh, non. Ça. On va débuffer armure ici. Taper. Ok, un peu de pierre. Je crois qu'on est bon là. Il reste plus que 3 mobs donc. Barre de justice. Augmente les valeurs d'attaque au corps à corps à distance de 100%. Oh putain. Ok. Ça va. Ok, là je pense que on va faire ça comme ça. Ouh, ok, j'ai rien dit. Oulala. Là là. C'est bon. Tu peux faire briller ta lance, j'en ai plus rien à foutre. Bon, enfin, faut quand même soigner. Sérieusement, mais hé. Puis il est costaud lui, hein. Le dernier qui fait chier là. Ok. Tout va bien. Sauvegarde. Too easy, ouais. Too easy, c'était Tandax quand même. Ok, donc on a deux portes là. On va aller voir ici, ça me paraît bizarre. C'est
pas une vraie porte, ok. Dans ta face. Dans ta face, les gens. Ah mais tiens, en fait, je suis en train de me dire que je peux remplacer ça maintenant par autre chose. Mais par quoi? Dissipation de la magie. Ah mais si, par ça. Et on va mettre ça. Voilà. Alors, on a aussi Fugazi Kading. Donc on va lui mettre ses 60 en vitalité, continuer à monter sa force. Ensuite, au niveau des compétences, c'est un problème. Esquive, voilà. Il reste un point, super. Bah, on va monter arc. Je vous dise. Tenez besoin de force dans votre vie, sentez écraser un certain Geralt, vous envoie du lien à bouffer, bon appétit. Lol. Désolé, j'ai du mal à balancer des liens à YouTube. Y a pas de soucis. T'inquiète. Entrez dans la tour des griffons. La tour des griffons. Je ne sais pas. On va aller voir ce qu'il y a là-bas aussi. Avant. La nuit tombe. Oh! Super. Ah ah! Fugazi tape! Fugazi smash! Yes, I feel strong! Ah, cool. Une bénédiction. Protection de la lumière. Non, j'ai buté un griffon en tant que Geralt sur cette musique, lol. Ok, je m'en fous un peu. On peut pas y aller, ok. Et là, il y a... des vilains. Oh là là, ils ont l'air d'être... bien vilains, en fait. Je me sens plus fort. Hulk smash. Non là c'est Fugazi smash. Merde, je suis con, ils vont peut-être se mettre là aussi. On verra bien. Eh, venez là. Messieurs les chevaliers solaires. Paf. Merde, j'aurais dû debuff armure avant en fait. Et paf. Même pas mal. Plus mal, ok. Pomme cadding. Ok. Bon. Voilà, nickel. Comme ça, il n'a pas filé le buff à l'autre en fait. C'est parfait. Mettre le nuage. Tac. Ça. Alors, Sir Galant. Sir Galant, c'est un boss donc. Il a martyr. Ah ouais, martyr, mais il n'y a plus personne autour, donc on s'en fout. Bon bah. Boss. Oh. Oh. Là. Oh, il fait mal. D'accord.
C'est pas grave. Il fait mal et il encaisse, hein, putain. Et il vient de se lancer le buff hors de justice. Ok, alors tiens, tu vas voir, tu vas voir. je suis contre. Tiens! Ton buff de merde. Mange! Yeah! Voilà, exactement, Koima, exactement. Yeah! Yeah! Oh, c'est quoi ça? Saignement à la fin du tour inflige des deux mains correspondant à 50% de la santé perdue lors de l'attaque. D'accord, ok, cool. On relance ça. Taper. Merde, j'aurais dû en mettre la peau de pierre. Ah, il est immunisé au poison, j'ai l'impression. Donc ça sert à rien, je relance ce truc là. Par contre, je peux lancer. Ah merde, il est immunisé à la flûte bana aussi, ok. Tac. Yeah! Tac. Tac. Aïe. J'ai réussi à le taunt, c'est bien. On lance ça. Ok. Voilà. Qu'est-ce qu'on va mettre, boss? J'ai hâte de faire des dégâts. S'il te plaît. Merci, on va relancer ça. Tout va bien. Joli crit. Allez. Botte majestueuse. Ouais, à mon avis c'est du. À mon avis c'est pas. Ouais non, c'est pas un artefact ça. C'est pas possible. Tac tac. Non. Botte majestueuse. 14 en résistance au feu, valeur d'esquive 18. Mais 5 d'armure, 100% de la protection. Non. Protection. Non. Bah non. Bah non. Ok, merci Twista. On est bon, alors qu'est-ce qu'il y a par là? Entrer dans le palais d'été. Et là-bas. Mais en fait, il y a des. Entrer dans le palais d'été aussi, ok. Il y a des. On va faire le truc du griffon du coup avant. Et là, ouvrir la porte, ok. Et dans le palais d'été, ok. Donc vaut mieux faire le truc du griffon avant en fait. Qui est un donjon secondaire j'imagine. Mais on fait tout depuis le début donc... on va pas se faire chier, on va continuer à tout faire. Si ça se trouve ça va nous prendre plus de temps que prévu. Mais c'est pas grave. Ah tiens, j'ai même pas mis là. Merde, compétence. Discipline arcanique, voilà. La tour des griffons. Tour des griffons. Voilà bien ce que ça donne. Mais c'est vrai que j'aimerais bien finir quand même aujourd'hui parce que sinon on va avoir un problème pour Tower of Time. Oh, au pire, on finit la prochaine fois et on fait du Tower of Time. Something is coming your way. Be ready. On sait pas ce qui se passe, on va pas. Oh, ça va être très très long de toute façon. Comme toi. Aïe. Aïe, 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 aïe. Wow. Aïe 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 aïe. Merde. C'était pas prévu ça. Merde, pourquoi j'ai lancé le saut? Je peux plus avancer. Chier. Chier, 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 chier. Ah bah oui, évidemment qu'il est immunisé. On va protéger pas. Take cover! Ah, il fait mal. Ah, il fait très mal. Ah, il fait très très mal. This is the end.
Ah, il fait très 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 mal. Ouf. Oh. Ouch. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas été emmerdé par un mob comme ça. J'imagine même pas le dernier boss du coup. Ok. On va retenter, mais avant ça, on va lancer des sorts. Voilà. Hein? Hop. Tac. Il avait l'air de taper en électricité, mais on n'a pas de. Je pense pas qu'on ait. On ait rien qui nous protège de l'électricité, en fait. Donc, bon. On va tester comme ça. Twista va chercher à manger et revient dans 15 minutes. Ça marche! Bon app. Bonne chasse, je devrais dire. C'est vilain, n'empêche, de nous balancer un mob comme ça direct. Je trouve. Something is coming our way. Be ready. Oh, it can't be. Surtout qu'il faut faire deux pas pour. Yes, ok. Ouh. Ok. Alors c'est ça. I feel strong. J'ai réussi à le taunt, je sais pas si ça va faire grand chose, mais bon. Gryffindor. Ça n'a pas rapport à Harry Potter cette histoire là. T'es impressionnant sur le grand écran, Elkino. Coucou Killer Frost. Bienvenue. Ami du jour, bonjour. tout le monde est impressionnant sur un grand écran, à mon avis. Ok. Hop. On va. Débuff armure. C'est passé, c'est bien. Top. Aïe 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 aïe. Ok. Splouch. Non, j'ai la crâne plus difficile d'un coup supplémentaire à chaque esquive. Ok. Okay. Taunt, mais le taunt ça sert à rien puisqu'il tape en zone de toute façon. On relance le soin. Yeah, taper. Nickel. Tout va bien. On est parfait. Yeah. On va l'avoir. Banzai! Coucou Shinryu, bienvenue! Comment vas-tu? Tu vas faire une sieste, ça marche douceur, bah bonne sieste! Oh. What? Ok. Bon. Ok. C'était pas prévu de se faire one shot comme ça. Si c'est une des maisons d'Harry Potter Gryffondor. D'accord, ok. Cool, Twista. T'étais pas parti, Twista? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Je vais lancer celui-là. Allez. Baston! Exactement. Ok. Allez. On essaie de le faire à moins stress. Something is coming your way. Be ready. No. I do not want to die. C'est chaud quand même. D'arriver au corps à corps. Ouh, yeah. Ok. Popo, popo, popo. Nickel. Soin. De farmure. Taper. Ok. Taper. Splouch. Et. Ok. Ok, alors on va.
On va espérer qu'ils vont pas, qu'ils vont pas nous one shot cette fois-ci. Location. Okay. Ok. Voilà. Allez. Blocage, blocage. Qu'est-ce que je dois relancer là, la peau de pierre? Tac. Allez, on y croit. On y croit. J'ai mal. Ok, il faut faire ça. Est-ce que je... Now is not a good time. Mais ta gueule. Ok. Hop. Chaud. Faut taper, j'ai pas le choix. Allez. Oh ça craint. Allez, miss. Ok. Ça va le faire. Yes. Ouh. Pas facile, hein, le fight là. Dites donc. Ok. Coucou Natomadi. En donjon du bonheur, tout à fait. Et toi, est-ce que ça donjon du bonheur? Peut-être pas encore, mais ça va pas tarder. C'est une donjon de pas encore. Hop. Identifions tout ça. Tac, je suis content là. Il était pas facile ce fight. Alors, qu'est-ce qu'on a? Protection contre la faiblesse magique, c'est bien. Mysticisme, non. Une arbalète, il faut quoi? Maître, que dalle. Faiblesse magique, qu'est-ce qu'on a là? Débilité, faiblesse magique, ok. 14 en résistance aux ténèbres. 9 en résistance à toutes les écoles de magie. On a personne en ténèbres de toute façon. Habilité, faiblesse magique. Tac. Ok. Et ténèbres. Faiblesse magique. 14 résistance aux ténèbres, 100% de résistance. C'est marrant, c'est le même anneau. 14 résistance aux ténèbres, 100% de protection contre la faiblesse magique. Mais celui que j'ai là, il vaut plus cher. C'est marrant, hein? Bah, s'il vaut plus cher, il est peut-être mieux. Hop. Moi, ça va mieux depuis l'ouverture de ce stream. Cool. Tiens, on voit plus Noé Pomme. Pomme, elle vient fréquemment. Elle est peut-être partie méditer, là. Je sais pas pourquoi elle est pas là aujourd'hui, mais d'habitude, elle est là. Killer Frost. Et Noé, en fait, il a changé de nom. Noé s'appelle Lumicode maintenant. Mais il n'est pas là aujourd'hui non plus. Il vient de temps en temps. Non, c'est toujours ce que je considère comme des habitués du canap. Donc, ne t'inquiète pas. Ok. Alors, donc on a fait ça maintenant, c'est bien. On va aller dans le palais d'été du coup. Je vais voir si je peux pas choper une autre bénédiction. Merde, c'est pas par là. I feel so tired. Ah, ils sont fatigués, on va dormir. Mais on va dormir. Tiens, voilà. Ok, dodo. Tac. Merde. Hop, comment je fais pour... Ah oui, putain. With weather like this, I should have taken the day off. Ok. Ok. On sauve et on rentre dans le palais d'été. Voir ce qui se passe. Oh. Je suis curieux de voir si le palais est énorme ou pas. Oh là là. Je sens que ça va être costaud ici. Ok. Not too shabby for a human house.
C'est pas mal pour une maison humaine. Ok. Ok. Bon. I feel stronger. Tac. Tac. Merde, j'aurais dû tirer. C'est quoi ces trucs-là derrière là? Ça ne dit rien qui vaille. On va mettre ça. Et on va mettre ça. Ouais, il y a du monde là. Hein. Il y a beaucoup de monde. Il y a mettre trois plombes à arriver d'ailleurs. Tac. Ouais, vraiment. Et. Ok. Bim. Qu'est-ce qu'on va lancer? Non, je vais mettre ça. Voilà. Des buffs. Ouh, on a des buffs plein de gens, ça fait plaisir. Ah, c'est des élites en plus. Hein. C'est des élites. Tac, tac, tac. On met ça. Yeah! Oh là là! Oh là! À chaque fois, ça me. Fou, ça m'épate. Tiens, on va essayer le. Feu, ça fait des dégâts sur toute la rangée. Loupé. Loupé. Tout va bien. On va relancer. Ça. Et puis. Yeah! Je pense que ça, c'est mieux en fait. Par contre, ils prennent vraiment pas cher. Hein. Et ils se font soigner par je sais pas qui. Ça craint, ça craint, ça craint, ça craint. Il y a un fucking inquisiteur derrière. Elle se barre. Oui, les élites, c'est dangereux. Ah bah ça. Ça, c'est sûr. Yeah! Enfin, je débuffe armure aussi après. Tac, tac. Ok. La peau de pierre. Ah ok. La popo. Toi, t'es mort. Prétorien, maître arbalète, prétorien. C'est. Oh, les élites, c'est dangereux. C'est dangereux. Putain. Dame, non. Il a fallu Shinryu pour que je comprenne. Ah, oh, mais sérieusement. Ok. On met ça. On débuffe. Yeah! I kill you! I kill you! Pico, pico. Soit là, on va faire ça. Et on va faire ça. Yeah! I kill you! L'autre maintenant. Ok. Le soin. Taper. Putain, mais. Hey! Ah, c'est l'arbalétrier qui soigne en fait. Ok. C'est bon à savoir. Tac. Merde, j'ai oublié de relancer le. Ok. Ouh, t'as pris cher, monsieur. Eh ben, au revoir, monsieur. Ok, il y en a un autre en fait. Donc, on va tataner celui-là en fait, puisqu'il se fait soigner. Puisqu'il soigne. Donne de soin à la peau de pierre, on met ça. Et. Ça. Yeah! Enfin. Voilà. Finis-le. Merci. Ok. Quand j'avais arrêté de dépenser de la mana. Putain, relou. Relou d'archer. Soin. Taper, taper, taper.
Aïe. Pierre. Tapez, tapez, tapez. Regarde. Espèce de. Cette créature là, on connaît pas là. J'ai pas hâte de voir ce que ça donne. Popo. Popo aussi. Il y a un autre arbalétrier derrière, dites donc. Ah ! Tac. Je vais pas venir l'arbalétrier. D'où il a chopé ça, ce con là ? Chiotte. Fluent. Purge, tiens. Et ça. Allez. I kill you. Voilà, ouais, tu le tues, tu le tues. J'aimerais bien que l'arbalétrier arrive. Ça pourrait être cool. Je sais pas s'il va venir l'arbalétrier en fait, il est loin là. Yeah. Donc bon. Parce que sinon il va le chevalier là, il va buffer, ils ont martyr, hein, c'est ça. Ouais. Il va buffer l'autre. Bon, c'est pas dramatique, c'est pas dramatique. Hop. Allez. Ok. Donc il est mort, l'autre il a eu son buff, mais c'est pas grave en fait, on va faire purge. Nickel. Tac tac tac. Le soin. Ah, ça arrive là, les mobs que je ne connais pas. Ça fait un peu peur d'ailleurs. L'arbitre y arrive aussi, on va se le faire en premier. Surtout que c'est un élite en plus. Un peu de pierre. Là, j'ai pas envie de trop dépenser de mana, je sais pas si c'est une bonne idée, mais bon. Non. Quoi qu'en fait, non, on va buter celui-là, on a la purge de toute façon, au pire. D'ailleurs on va purger ça. Ah, la purge coûte pas trop cher non plus. Ok, il va crever à coup de dot. Du coup on peut faire ça. Voilà. Purge le monsieur. Tac. Yeah. Tac. Il s'est soigné, c'est pas grave. Donc c'est quoi qui arrive là? Je le sens pas. Élémentaire de lumière. Oh, ça va prendre cher ça avec les dégâts de ténèbres. Ça va prendre cher. On attend que l'autre arrive. Il y a un autre séraphin qui arrive dans le fond. Je pense pas qu'on l'ait aggro remarqué. Mais bon. Tiens, on va tester ça. Un silence des sorts. Bim. Bam. Qu'est-ce qu'on doit lancer ici? Ça. Bon, ça a pas l'air de faire ultra mal non plus. De faire spécialement du bien. Au revoir l'arbalétrier. Tac, tac. Ok.
Donc là, on n'a plus besoin d'avoir la peau de pierre et tape cure magie. Donc c'est nickel. On va mettre ça. On va taper. Ok, les dégâts de ténèbres, ça fait mal, mais bon, c'est pas non plus. Ils ont pas l'air d'encaisser fortement non plus, donc ça va. Oh, le crit. Il fait plaisir. Hein. Ah, ah. Ok. Voilà. Nickel. Bon, on en a toujours des gens. Ouais. On a toujours des gens en aggro. C'est le Séraphin qui nous tatane de loin. Là. Aïe! Ah, mec, c'est pas chouette là. Monsieur. Ah, c'est un boss? Non. Mon dieu. Ouais. Pomme a perdu conscience. Mais non, elle est là. Ok, hop. Corps à corps. C'est juste un Séraphin. Ok, il fait juste chier. Tout va bien. Pas de pierre. Voilà. Tout va bien. The fuck? Ah ouais, mais I kill you. Fais gaffe quand même. Un minimum. Ok, nickel. Je sauvegarde. Oh putain. C'est bizarre ce palais. On va aller looter ce qu'il y a là. This looks. Là, y'a rien. Powerful. Ok, ça a des vagues de mobs en fait, c'est ça. Hein. C'est ça. Hein. Couronne draconique, Arcanos. On va identifier ça. Donc. Alors, plus 12 en résistance à la lumière, c'est bien ça pour ce qu'on fait. Et l'arc qu'il faut mettre, donc on s'en fout, les courage. Merci, Notomadi. On va virer ça. Tac, tac. Oh là là, mon dieu, que se passe-t-il? Parsi nous raid! C'est un raid de Parsi! Défendez-vous! Défendez-vous! Vite! Bah, si vous êtes bien aware. Coucou Parsi, bienvenue. Comment vas-tu? Ok, alors on a dit ça, ouais. Merci beaucoup pour le raid, Parsi. C'est un Parsi raid! Ouais, défendez-vous! Est-ce que cette masse-là est mieux que ce que j'ai? 13% de chance non. J'ai pas l'impression. Chaque attaque réussie, tous les ennemis dans le groupe de la cible subissent 26 points. Non, ouais. Ok, que dalle, dégage-toi. Alors, ça par contre, 5 d'armure. Non. 5 d'armure. 100% de résistance à la paralysie. Étourdissement, faiblesse magique, culité, paralysie. J'ai deux fois paralysie, donc en fait, c'est carrément mieux ça. Hop. Total claqué, 3 heures de sommeil, je sors de 7 heures de stream. Ah putain. J'espère que ça s'est bien passé en tout cas. Et bienvenue à ceux qui étaient chez Parsi, dont Avia, mais on t'a déjà dit bienvenue. Donc tout va bien. Ok. Est-ce qu'on se repose? Ouais, on va se reposer. C'est un peu débile de se reposer devant un groupe de... comme ça, là, mais... mais bon. Ok. Something following us. Ah, stupid. This one is mine. Ok. Donc... je propose de reculer. Reculer, parce qu'il y a du monde qui arrive, là. Oh là là. Là.
Allez. Allez, hop là. Dans le petit couloir. Et de se préparer le mieux qu'on peut. Hop. On sent des jolis sorts. Tac. Voilà. Relativement calme, mais c'était cool. Ok. Ah, c'est le principal, que ça soit cool. Tac. Un petit feu intérieur. Tac, tac. On est prêt. Prétorien d'élite, chevalier solaire. Je vais faire chevalier maintenant qu'on sait qu'on peut virer avec la purge. Hop, 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 hop. Le soin. Et puis ça. Voilà. J'ai oublié de mettre des buffs armure. J'attendais qu'il y ait plus de monde là. Il n'y a personne sur la deuxième case. Donc il faudrait qu'il y ait des gens qui arrivent là. Et après on pourra lancer le debuff armure. Ça. Est-ce que le feu ça leur fait plus mal? Pas spécialement. Ok. Il n'y a toujours personne qui se ramène. Hein. Ils veulent pas venir. Ils sont timides. Bon bah c'est pas grave. Voilà. Ok. Paf. Tac. Tac. Il est mort. Ah par contre il va nous taper avec son avec le buff de 50%, mais c'est pas grave. On a la peau de pierre, on a les deux soins, je remets le nuage qui pue. Toujours aussi bien. Je t'étais sur quoi? Messenger, c'est ça Parsi? C'est toujours aussi bien, tant mieux. Que je le fasse Messenger aussi, un de ces quatre. Vu qu'on me l'a offert, je sais plus si c'est Koima qui l'a offert. Oh là là! Marc, merci beaucoup pour le host. Oh! Bien où? Bien où? Bien où du dimanche après-midi? Ah ah! And stay down. Oh! Le vilain crit! Je m'attendais pas à ça du tout. Ok. Ils viennent pas là? Ils veulent pas avancer? Ah voilà! Je me disais! Bien! Débuff armure! Voilà. Nuage qui pue! Tapez, tapez! Assassin's Creed! Ah d'accord, ok! Assassin's Creed, ça m'intéresse moins comme ça là, parce que je le connais pas, mais c'est vrai que j'aimerais bien le faire aussi. Alors on va faire le maître arbalétrier d'abord, parce que le maître arbalétrier, il soigne en fait. Lancer la peau de pierre, mana. Hop. Je me suis endormi avec ton stream en fonctionnant hier soir. Cool. C'est bien. Je peux faire dormir les gens en plus. Tac, tac. Bien, je pue. Zbim. Splaf. Est-ce qu'il y a un intervalle étrier? Je pense que derrière il doit y en avoir d'autres, mais bon. Non, celui-là a l'air plus amoché. Tiens. Je le savais. Sélectionne-le. Hop, merci. Soit un peu de pierre. Le nuage qui pue. Et là, on fait ça. Un petit debuff armure pour tout le monde. On tape. Enfoiré. Oh, le prétorien aussi soigne en fait. Oh, j'avais même pas percuté ça. Bon bah ouais, ok, c'est noté. Ils soignent tous en fait ces enfoirés là. Tout ça parce qu'ils prient le dieu de la lumière. Oh notre dieu. Ça va et toi? Bah ça va, ça va. Encore une fois, enfin ouais, comme tous les dimanches, un dernier stream de la semaine, c'est un peu triste, mais
En général, ça me. J'aime pas la fin du stream du dimanche. Voilà. On a la pot de pierre, on a les soins, je remets le nuage. Et là, on refait. Il y en a qui prennent cher quand même. Oui, ça fait mal, oui. Sérieusement, mais pourquoi j'ai sélectionné celui-là? C'est celui-là que je voulais. Je dirais de moi hier, je sais pas pourquoi, ça me fait ça tous les soirs ces temps-ci. Tu manques de sommeil peut-être? Peut-être que tu fais plus de choses. Ça, à propos. Putain, ils font chier. Yes, il est mort, ok. Il y a un arbalétrier, un chevalier derrière, je sais pas ce que c'est qui va être derrière là. Non. Tac. Tac. Ok. Un peu de pierre. And stay down! Ok, il y a le buff de soin, encore un tour, on va prendre une popo sur pomme. Celui-là en prio. Oh, presque mort. Ok, faut que je relance le soin. Yes, il est mort. Tac, c'est 2 mètres à bas du trier d'élite. Ok. Voilà. Ça. Il soigne alors qu'il prête rien. Hein? Je ne. Ah, mais putain, stop soigné! Ok, on va arrêter d'utiliser la mana et puis on va taper. Mais sérieusement, vous êtes lourdingues les gars. Je vais être obligé d'utiliser de la mana parce que sinon ils vont jamais crever. Voilà. Bah, le prétorien. Ah. Oui. Lol. Je valide. Voilà. Ouais, tu peux soigner hein. J'ai même pas peur. Si tu te soignes, tu tapes pas. I kill you. Ouais, voilà. Ok, nickel, plus qu'un. Plus qu'un bridou! Non, ça passe pas ça comme ça, plus qu'un bridou. Hein? C'est ça? Non? Yeah. Allez. Yeah. Crève. I'm staying down. Ok, il en reste? Il en reste, on est toujours en combat là. Ah ah! T'as regardé la reprise de Star Trek Discovery? Non, pas encore. On peut regarder qu'un épisode d'une série par soir avec Elkinet, et en ce moment on est sur Humans. Et on n'a pas trop envie de... On veut le finir avant en fait. Parce qu'il est vraiment bien. Okay. Wow! Nice! Hop, paf. Bonjour monsieur. Comment allez-vous? Bien. Ah merde, j'ai avancé, j'aurais pas dû. C'est pas grave. Ah, non, non. Oh, that hurts. On peut plus bouger. Bah, c'est pas grave. Oh là là. Man. Man.
Merde, c'est pas ce que je voulais faire. Je pensais que j'étais plus en combat. C'est ça que je veux faire. Ok, vous venez pas les pépettes là? Merci, venez tous là. Voilà. Bien. Nickel. Ah bon, bah, te demande pas pour la saison 2 de The Punisher alors. Non, tu peux. Non, me demande pas. En plus, moi de mon côté, je regarde Titans, qui est pas mal. Comme je disais hier, c'est pas mal, mais c'est pas non plus. Je suis pas là. Waouh! Meilleure série du monde. C'est pas mal. C'est juste un. Je sais pas. Est un peu forcé. La violence est un petit peu forcée. Elle me semble pas forcément nécessaire en fait. Mais c'est bon. Hein. Mais je suis pas habitué aux titans à être. Enfin, que les titans soient si violents que ça en fait. Cheval clignote bizarrement. Franchement, je préfère Malicorne, j'ai trouvé dans Assassin's Creed. Lol. En fait, il y a un bug graphique par-ci parce que. Qui est avec les. Depuis le patch Nvidia de 2016, de août 2016, et vu que le jeu est plus patché, et ben depuis ce patch-là, en fait, il y a des bugs graphiques sur un effet particulier, un effet de scintillement sur certaines créatures, et du coup, ça donne ça. Et pas trop le choix. C'est pas fait exprès, en fait. Dans les comics, les titans sont pas des Boy Scouts. D'accord, ok. Surtout Cory, ok. Bah après oui, je connais pas les comics moi. Ok, paf, paf. Et paf. Putain mais ils font quoi là? Voilà. Tac. Tac. Ça va peut-être un peu piquer en fait, je suis en train de le dire. On a tout ce qu'il faut, on va mettre ça. Ah, ils arrivent, c'est nickel. Ok. Même pas mal. C'est ça. Ça crève vite, hein. Ça crève très très vite. La peau de pierre. Il y a le Séraphin qui arrive derrière, la fait chier. Un petit peu. Ah non. Ah non, ah non, ah non, je refuse. Purge-moi ça. Tiens. Taper. Et qu'est-ce qu'on lance? On va mettre ça. C'est mon comic DC préféré. Il y a même un crossover avec les X-Men. Ok. Est-ce que t'as regardé The Gifted ou pas, Marc, encore? The Gifted, c'est bien aussi. Niveau Marvel. Est-ce qu'il faut qu'on lance un truc? Ah oui, le soin, ouais. Ou pas. En même temps, crossover DC Marvel, c'est chaud quand même. Mais bon. C'est la première fois que j'entends ça, en tout cas. Qu'est-ce que... Taper. Ok. Aïe. Allez. Tac. On n'a pas... Si, on a besoin de la peau de pierre. Un crossover DC Marvel, c'est strange. Là, j'ai pas regardé le Gifted, d'où le ou pas. Ok. Il y en a eu plusieurs dans les années 80. Ok. Encore une fois, je regarde pas les comics, je lis pas les comics.
À la base, moi, les super-héros, c'est pas spécialement mon truc plus que ça. Après, je trouve ça sympa à regarder, mais à lire, ça m'intéresse pas. Allez. Allons, d'accord. Et voilà. Ok. On y est presque. Oh, ça a l'air d'être un gros relou celui-là. Heure de justice. Ouais, ben je vais te le purger ton heure de justice, tu vas voir. Ça va être vite fait. I feel stronger. Tac, tac. Là, tu préfères, ok. Ah non, il l'a pas. Il l'a pas. Attention, ok. Bah tape. Hein. Tac. Ok, la peau de pierre est mise. On va faire ça. Normalement, on devrait pouvoir le faire sans mana. Oh, peut-être que si j'avais le soin aussi, ce serait pas mal. Il s'est buffé. Mais bon. J'aurais pas dû. Ok, je vais le finir. Voilà. Je fais une petite frayeur là. Ok. Récupérer. I'm no expert, but this looks valuable. Qu'est-ce qu'on a chopé? Alors, résistance à l'air, avec toutes les écoles de magie, compétence au bouclier plus 5, et compétence à la dague, je m'en fous. Compétence au bouclier plus 5. Ah, c'est bien, c'est mieux. Là. Ok. Tac. Bon. On arrive enfin à la salle du trône, au trône plutôt, je devrais dire. Ça sent le boss. Ça sent le boss. Dormir. J'ai vendu tous mes comics à un collectionneur il y a 12 ou 13 ans. Le plus ancien que j'avais était de 82. Ah ouais, quand même. Ok. Sauvegarde. Looks like they smelled it. Who forgot to take a bath? The raiders and Rosalie barged in. We're here to help. Mere moments after Duke Oswin had proposed a marital alliance between the houses of Falcon and Unicorn. Before they could make another step towards the Empress, the Angel Adira moved to block their path in a flutter of golden feathers. Ne prêtez pas l'oreille au mensonge du Duc Oswin, votre grâce. Nous apportons la preuve que le Duc s'est rendu coupable de trahison contre l'Empire. Grotesque. Ces scélérats ont manifestement l'intention d'en attenter l'impératrice Adira. Non, Adira, occupez-vous d'eux. This one is mine. Oups. Ah ouais, carrément. Ok, c'est l'héritier de la lumière. Effectue plusieurs actions par tour. C'est abusé. Je suis désolé, mais c'est abusé. Wow. Ok. De buff. Allez, on taunt, c'est passé. Yes. Ok. Gogo lui mord le nez, ouais. Ok, on a des buffs armure, on va... Elle a l'air d'avoir des PV, hein, la Tira, là. Raté. Blocage. Ok. Tout va bien pour l'instant. Voilà. Sauf qu'on n'arrête pas du miss, mais bon. Ok. On va mettre ça. Les gars. C'est raté.
C'est quoi qu'elle s'est mise là? Augmente la valeur d'esquive de 500%. Tu te fous de la gueule de qui? Ok, donc c'est, elle esquive pas quoi. Ok, je vais être obligé de purger ce truc là en fait. Dégage. Immunité encore, d'accord. D'ailleurs, c'est quoi? Je vais mettre ça là en fait. Tac. Taper. Là. Qu'est-ce qu'on a besoin de relancer là? Le nuage est toujours là. Mais si elle fait que se lancer ce truc là, elle est chiante, hein. T'as fini de manger Twista? Cool. C'est quoi ça? Oui. C'est un peu naze. Voilà. Je suis pas sûr qu'elle a immunisé au poison, donc on va pas l'utiliser. Elle a relancé son truc encore. C'est... LOL. Ok. Le truc c'est que... Tant qu'on fait ça... Déjà, un, elle ne tape pas. Mais en plus, on peut pas lui lancer de sort, donc... Ok. Je vais tester un truc. Tiens, sur un trait de glace, ça fait 6407. 6407. Ça lui fait mal. Ok. On savait qu'on va faire ça en fait. Ok. Tac. 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 Y'a que ça à faire, hein. 2, 7, 1, 1. Ah, elle commence à taper là. Ok. Pur, je vais falloir lui utiliser beaucoup de mana à un moment donné aussi. Tac. Yeah. Qu'est-ce qu'elle fait là? Hein? Pourquoi elle a fait ça? Ah ok. Si tu veux. Ok, ça m'impressionne pas super madame. Hein? Enfin ce nom. Je ne suis pas impressionné. Disons que j'ai pas l'heure fixe avec mon boulot, de toute façon je serai pas. Même si c'est pas ce qu'il y a de meilleur. Non, forcément, mais bon. Si t'as pas le choix, t'as pas le choix. Hein. Oh.
C'est pas pratique pour se déplacer de faire des téléportations à chaque fois. Aïe. C'est lourd, hein. Elle a fait ça qu'à partir d'un certain un certain moment, en fait. Enemy is flanking us. Ah. Oh là là. Ça fait très mal. Putain, c'est chiant. Ok. C'est pas top. Ce n'est pas top du tout. Du tout, du tout, du tout. C'est pas grave. Mais elle fait vraiment chier là. Elle fait vraiment, vraiment chier. Ça va, je soigne là. S'il est temps qu'ils arrêtent pas de rater aussi. Ok. C'est ça. Putain, elle a pas mis la purge, mais. Mais elle est loin en fait. Reviens s'il te plaît, corps à corps, merci. Oh. Deux fois le rayon. Ok. Ok. To be judged. On n'a plus que 6 tours de protection de la lumière. Remarque, j'ai des pare chauds, donc ça devrait aller. Ok, on a les deux sorts de soins. On a la protection physique. Ça sert à rien de relancer ça. Faire ça. Elle a pas son buff d'esquive. Ok. Je me demande si on n'aurait pas quelque chose d'intéressant ici. Vision obscure, non. Non, non. Drainzi. S'enfuit pendant 2 tours. Inflige l'altération. Agonie à un ennemi jusqu'à 4 cases de portée. La cible subit nanana à chaque fois qu'il subit des dommages. Yeah. On va voir ce que ça donne ce truc-là. C'est pas mal. Donc chaque fois qu'elle se fera taper, elle va se prendre ça. Je sais pas combien de temps ça dure par contre. Ça a l'air d'être permanent en fait. C'est cool. Ok. Peu de pierre. Purge. Taper. Taunt. Arrêtez. Super lourdingue. T'es super lourdingue, madame. Tac. Reviens. Ouais, j'aurais peut-être pas dû faire ça en fait. Aïe. Elle fait 2 actions par tour, hein. C'est vilain. Ok. C'est ça. Ok, soigne un peu. Pas besoin de purger. Ça.
C'est Tandax, hein. C'est bien, bien, bien tendu. Ok. C'est le moment de boire de la popote. Elle se téléporte, elle va me taper. Elle est midlife, hein. Midlife. Qu'est-ce que je mets? Le soin. Ou non, je vais mettre le petit soin, ouais. Et ensuite. Oh, déjà? Yes, more glory. Il suffit. Je sais qui vous êtes, la fille perdue du seigneur Mombard. Comment? Eh bien, oh oui, votre grâce. Et Fugazi, Kinkil, Koima et Pomme, les quatre aventuriers qui ont vaillamment combattu pour défaire les ténèbres qui sévissaient à Kartal. Ces jeunes gens ne sont pas de vulgaires brigands, mais des héros. Nous pourrions sûrement écouter ce qu'ils ont à dire. Ces gens ne sont que des roturiers, votre grâce. On devrait les jeter en prison, seul motif qu'ils ont interrompu ce conseil. Aucune des paroles qu'ils profèrent ne serait dite d'être digne de foi. GG, ben je sais pas, il était midlife le truc. Donc, à voir. Demi-GG, on va dire. Ah oui? Ben dans ce cas, pourquoi pas me poser la question à quelqu'un qui soit capable de mentir? Qui sont incapables de mentir. Son sourire est chaleureux, mais il vous donne l'impression que toute l'affaire se dénoue comme l'impératrice l'avait prévu. Elle se tourne vers Adira. Êtes-vous informé d'un acte quelconque du duc Oswin, qu'on puisse qualifier de trahison contre l'Empire ou contre moi-même? Vous constatez qu'Adira éprouve des pires difficultés à formuler sa réponse. Après quelques instants tourmentés, elle parle enfin, lentement, choisissant ses mots avec soin. À deux zones. Je me demande si je peux pas faire un truc comme ça. Les ah non ah les ah. Non, désolé. J'ai testé la reverb parce que j'en fais pas beaucoup et vraiment c'est pas facile de trouver la bonne. Ok. Les actes du duc Oswin ont toujours servi les intérêts de l'Empire, votre grâce. Je trouve déconcertant qu'une Elias de la Sainte Inquisition se dérobe à une question aussi simple. Je crois qu'une enquête appropriée s'impose. N'est-ce pas, duc Oswin? C'est un scandale! Lancer des accusations aussi odieuses lorsque l'Empire a le plus cruellement besoin d'unité. Garde, soyez assez aimable pour maîtriser le duc Oswin. Kelrath vous bénisse! Sa voix est la douceur incarnée, mais quelque chose vous dit que vous feriez bien de ne jamais vous faire une ennemie de l'impératrice Gwendoline. Baronne Rosalie, le duc a exposé un argument parfaitement valable. Il s'agit d'accusations ô combien graves, mais vous avez prétendu avoir des preuves, si je me souviens bien. C'est exact, votre grâce. J'ai confié mes découvertes à l'ange Orna, ainsi qu'au seigneur Wilfred de Kilburn. Votre grâce? Si je puis me permettre, le seigneur Kilburn a chevauché à mes côtés lors de la seconde éclipse et combattu à la bataille de Garde-Serre. C'est Elrath lui-même qui l'a adoubé chevalier solaire. Il n'est pas de chevalier plus vertueux dans tout l'Empire. Alors convoquez-les à Whitecliff sans plus attendre et placez le duc Oswin et l'Iliaste Adira aux arrêts. Pour leur propre sécurité, évidemment. Une fois encore, aventurier, l'Empire a une dette envers vous. Le duc Oswin et ses complices ont été arrêtés. Et c'est aux preuves exposées par Rosalie. Ainsi qu'à votre vaillance que nous le devons. Qu'en viendra-t-il du duc Oswin, votre grâce? Oswin sera dépouillé de ses titres. Il n'est plus duc de la licorne. Il finira ses jours en prison. Je dois connaître l'endroit idéal. Un bout de rocher perdu au mobilier de la mer sauvage. LOL. J'ai l'impression que c'est GG, ouais. Mais, votre grâce, puisque Oswin était veuf et n'avait pas d'héritier, ça implique que le trône du duché de la licorne sera laissé vacant. Oh, mais il existe un héritier, le plus proche cousin d'Oswin. Mais votre grâce, c'est... En effet, seigneur Kilburn, ou devrais-je dire, duc Wilfred de la licorne? Tandis que le seigneur Kilburn se tient quoi, le duc Anton commence à applaudir. Vive le nouveau duc de la licorne! Kelrath bénisse le duc Wilfred! Bientôt, tous applaudissent à l'unisson. Je...
Je ferai de mon mieux pour être digne de cet honneur, votre grâce. Je vous sais en ma vie au service de l'Empire, du dragon de la lumière et des sujets du duché de la licorne. Mais si je puis me permettre, votre grâce, j'ai une requête à vous faire. Voyez-vous, ainsi que l'Église de la Tradition, le duc de la licorne ne peut être aussi chevalier de Kilburn. J'aimerais donc élire un nouveau chevalier de Kilburn, ou plusieurs d'ailleurs. Je crois connaître de parfaits candidats. Tous les regards se braquent sur vous, vous comprenez soudain que ce que Kilburn vient de sous-entendre. Vous tombez à genoux tandis que l'impératrice approche. Qu'il en soit ainsi, aventurier de Fontmartel, héros de Kartal. On vous a parfois qualifié de mercenaire, de brigand. Vous répondrez désormais au titre de seigneur de Kilburn. Là. Fidèle à leur promesse. Pardon. The raiders brought Owen's ashes to Carthal's Chapel of Elrath, so that he could finally rest in the city of his birth. The raiders killed Luke, the brigand, putting an end to his notorious career. Eh mais c'est la même chose que la fin du jeu sans le DLC en fait. En fait, on est en train de j'ai l'impression. Ripley was a brute and a murderer. He deserved. Parce que ça a pas été fait dans le DLC, ça a été fait dans le jeu de base. Ah bah Ubisoft, vous auriez pu faire une fin au DLC quand même. Ça aurait été cool. Could Kirk have redeemed himself? Maybe. Maybe not. The raiders made him answer for his crimes and sent him on to the dragons. C'est bizarre. C'est bizarre qu'ils nous refont la fin une deuxième fois. Mais bon. The ancient Shantiris built their elemental forges to imbue their greatest warriors with the powers of the dragon god. Il nous reste 2 heures. Je pense qu'on va passer sur Tower of Time, au moins que vous ayez d'autres idées. In the heart of the Forge of Spring, the six dragons chose new champions. Tower of Time est un jeu qui va prendre des années à faire, donc je pense qu'un petit peu plus de Tower of Time ferait pas de mal. Bon, va-t'en. Having discovered Lord Hart's marriage to the Dark Elf Leodan. The raiders chose to protect the lovers from the Inquisition. Du coup, fin du jeu complet. Ouais, ouais, bah le. Hart and Leodan later had a son. On a déjà fini le jeu de base il y a pas longtemps et là on a fini. On a fini le DLC aussi. Comment ça, il y a des dauphins sur le jeu? Non. Que des licornes et des faucons. His bestiary completed. The strange man known as Jassad Atqua. T'as fini Dreamfall Chapters hier, mais ça va pas, Avia. Nobody knows where he went, but the night of his disappearance. Strange events were witnessed. T'es fou, Avia. Several villagers of Sorpical claim. On en est qu'au chapitre 2 sur 5. Egg-shaped object spring up from the depths of the sea. J'aurais dû te dire oui en fait pour te troller. J'ai ouais carrément, on l'a fini, on a trouvé un passage caché, et on est arrivé à la fin du jeu et on l'a fini en 2 minutes. While the raiders were not able to save the knight Mombar from his madness, they did fulfill his dying wish by finding his long-lost daughter Rosalie. Ça va bien, Naoshi? J'ai plus suivi, je causais. Ah oui, c'est vrai. Thanks to the information contained in the ancient spellbook known as the Gorada Rael, Thierry was able to track down the demon air and make him answer for his war crimes. On a fini d'autres quêtes entre temps. That's a story for another time. À voir. S'il y a autre chose. Ah voilà. Stripped of his title. Oswin Unicorn was sent to Fort Leger. Such is a traitor's fate. A hard fall from the highest circles of power to the damp darkness of a cell. He would never see a unicorn sit on the imperial throne. C'est pas facile hein, pour qu'une licorne s'assoie sur un trône. Hein. With their leader in jail, Empress Gwendolyn's opponents soon made a plea for reconciliation. Despite the troubles that marked the first years of her reign, Gwendolyn would emerge as one of the greatest rulers the Empire has ever known. And nobody would ever underestimate her again. Oswin's successor, Duke Wilfred Unicorn, became known as a just and caring ruler, if a bit, let's say, eccentric. As it turns out, he and Baroness Rosalie of Montbar shared more than just a love for little details and great mysteries, since these two were wed within the year. An avatar of Elrath himself appeared at their wedding to bless their union. I can testify to it. I was there.
Ils convolèrent dans l'année. Ils se sont mariés. C'est... Je ne connaissais pas ce mot. Having been made knights of the Empire and lords of Kilburn, the raiders enjoyed their new lands and titles for a time. Yet, the call of adventure soon resonated once again in their hearts. But that's a story for another time. Eh ben voilà, eh ben, félicitations, Fugazi niveau 35, chef de guerre, Koima niveau 35, Égide Pomme niveau 35, Druide Ancien et King Kill, ou le Noob niveau 34, Archimage. Grâce à vos cartels et la péninsule d'Agine n'ont plus rien à craindre des sinistres machinations d'Erebos. En déjouant le complot du duc de la Licorne, vous avez renforcé l'autorité de Gwendoline du Faucon et inauguré une nouvelle ère de paix, de prospérité et d'édification pour le Saint-Empire. En guise de récompense, l'impératrice vous a fait chevalier de l'Empire. Vous ne serez plus connu sous le titre d'aventurier, mais de seigneur. Eh bien voilà. C'est tout. C'est tout, c'est tout, c'est tout, c'est fini. Adieu Might and Magic 10. Peut-être qu'un jour on jouera à Might and Magic, aux autres Might and Magic en fait. Ça pourrait être pas mal. Mais voilà. En attendant, le jeu du dimanche, ça sera Tower of Time maintenant qu'on va décaler du samedi au dimanche. Je t'aurais proposé de jouer à Siberia 3, mais 2 heures, c'est plus de temps qu'ils ont passé à le développer, lol. Et voilà, et alors ça c'est un bon jeu parce que on peut revenir et faire mumuse si on veut dans l'univers et finir les quêtes qu'on n'a pas finies. Mais on va pas faire ça parce qu'il faut pas abuser, on a déjà fait beaucoup des quêtes. Je crois qu'on a fait quasiment toutes les quêtes au final. Ok. Hop! Magnifique. Merci les gens, et si vous avez regardé cette vidéo sur Twitch ou sur YouTube, c'était Telkinio avec l'épisode numéro 2 de Might and Magic Legacy, du DLC de Might and Magic Legacy 10, ou l'épisode numéro 20 de Might and Magic 10 Legacy, et le dernier épisode, merci beaucoup, et à la prochaine.